Yo guys, je suis revenu dans Derail Valley et bienvenue pour un autre épisode. Il y a eu des changements pas croyables dans ce jeu-là. Ok, on dirait une Lada. C'est-tu vraiment une Lada ou quelque chose de même? Tu peux pas vraiment conduire de voiture, mais tu peux encore conduire des trains. Mais il y a eu un update majeur dans les graphiques, dans beaucoup, beaucoup de choses, ok? Oups. Même les contrôles ont un petit peu changé. Ça, je fais la world map. Attends. Attends. Ça. Comment on fait pour faire la. Hein? Ah oui, ok, un. Voyons. Ah non, ok, c'est rendu deux. Bon. Voyons. Ok. On va finir par la. Ouais. Bon. On est à Steel Mill, ok? On est au milieu de la carte encore. Et ben, je sais pas si la carte a changé vraiment. Qu'est-ce que je sais, c'est que dans pas long, on va voir aussi des wagons de militaires. Attends une minute. Il y a une manière de. Attends. Si. Je pense que c'est avec Alt. Ah, oui, ok. Bon. On peut. Avec. Si tu tiens Alt sur ton clavier, tu vas pouvoir regarder partout autour. Oh! Tu vas pouvoir regarder partout autour de toi. Une circonférence de 180 degrés. Bon, si on regarde ici, attends, je vais me mettre comme ça. Si on regarde ici, Military Base, je sais pas si c'était là avant, mais dans pas long, il va y avoir des trains, tu vas pouvoir transporter des tanks puis des wagons militaires, ça va être vraiment hot. Pour l'instant, on peut cliquer ces affaires. Oh, fast travel. Oh, on peut fast travel, là, ça, on peut se téléporter. Ah, ça, c'est trop nice. Ok, je savais pas. Donc, on est ici à Steel Mill et je m'a serré la carte. Il y a eu une couple d'updates, ok? Mon dieu. Première des updates que je veux mentionner, c'est les wagons, ok? Parce que c'est quelque chose que dans la dernière vidéo, c'est quelque chose que j'ai mentionné, que je me disais qu'il devrait avoir comme update. Puis il y en a eu. Ok, si je fais X pour me pencher. Ah, je peux pas me pencher plus que ça. On voit ici qu'il y a des fils, il y a des tuyaux et des pipes. Et attends, si je peux me mettre ici. Il faut raccorder notre train au trailer, au wagon. Et voilà, comme ça ici. Ça, c'est comme quand on attache. Avec ça ici, ça c'est pour les freins. Et tous les wagons sont raccordés maintenant. Il n'y a plus d'espace bizarre entre les wagons. Fait que c'est vraiment nice. Si je prends mon. Ah, putain. Je suis pas habitué avec les pitons encore. Ok. Apparemment, on peut utiliser la souris pour changer ici, mais ça fait pas. Ah oui, ok. Ok, ça c'est pour bouger d'une place à l'autre. Ok, ça si je veux ça. Ah, ok, c'est pas ça que je veux. Je veux. Wallet. Ce qui est 6. Faut payer. Ah, putain. Ok, j'ai 325$. Ok, j'ai vraiment rien comme argent. Parce que là, vu qu'il y a eu un update, j'ai comme perdu ma game. Fait que si on vient dans la petite cabane, il n'y a pas grand chose qui a changé, à part qu'il n'y a plus de magasin. Curieusement, le magasin est rendu ici. Il faut faire fees ou licence. Fees, c'est pour. Parce qu'à cette heure. À cette heure, t'as de la maintenance à faire, puis ça coûte de l'argent à chaque fois que tu prends une locomotive. Et j'ai déjà testé, voir, parce que avant de faire la vidéo, pour être un petit peu pour savoir de quoi je parle. Et j'ai déjà des frais à payer. Copy paid, assurance clear, all the fee. You may now buy new license. Ah, oh, ok. No fees here. Ok, bon, laissez faire. J'ai rien dit. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On fait cancel, on fait down. Ça, c'est licence. On fait confirmer. Là, ici, c'est notre genre de magasin. Train driver, on. Ça, c'est les choses que j'ai quand c'est marqué on. Je sais pas c'est quoi DE2. Je pense que c'est le permis pour le petit train à wagon. Le petit train à diesel. DE6, c'est pour le permis pour le gros train à diesel parce qu'il y a un autre train à cette heure, mais il faut que je paye 11 piastres et quelques canadiens. Ça, ce qui veut dire peut-être 3 euros maximum. Mais ouais, il faut quand même payer. C'est comme un genre d'extension. Il y a la licence pour le train à vapeur qui est ici, c'est 5000.
Je l'ai pas encore. Et à cette heure aussi, tu sais, dans la dernière vidéo, quand je pouvais prendre deux jobs à la fois, maintenant je peux plus. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'achète une licence qui est Train Length. Non, c'est ça? Current Job Un. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est pour Current Job 1 et 2. Ça, c'est pour avoir plusieurs jobs en même temps. Mais j'ai pas 10 000 piastres sur moi du tout. Fait que moi y aller de même. Ça, c'est la même machine qu'avant. Fait que ça, on se reconnaît là-dessus. Sinon, j'étais voir en haut le décor. Ça a pas vraiment changé. Il y a une plante ici qui a poussé au travers du mur. Oh, oh, police, y a bang bang. Je sais pas si on l'entend dans vidéo. La police. Bon. Là aussi, il y a un autre changement ici, c'est que les jobs, à ce temps, on les voit toutes. Comme ça, c'est un train quand même long. On peut voir en bas. Je sais pas si je peux faire Alt avec ça. Oui! Je peux faire Alt avec ça aussi. Ici en bas, c'est les licences que je dois acheter avant de pouvoir faire le travail. Je peux pas parce que toutes mes... J'ai pas assez d'argent pour acheter les licences. Ça, je sais pas si je l'ai, cette licence-là, vu que c'est en vert. On va voir, ok? Ça, c'est en rouge. J'ai aucune idée. Ça, c'est Shunting Train, ok? J'ai pas la licence. On va tout mettre à terre ce que je peux pas faire. Ça, c'est les trains longs. Ok, on veut pas prendre ça. On veut pas prendre ça. Ça à terre. Ça à terre. Ça, c'est les trains longs. Ça, je peux, mais ça, c'est un Shunting Train. J'ai pas la licence pour ça, je pense. Fait que, il me reste trois jobs. Puis j'en ai deux en même place, mais je peux pas prendre deux jobs en même temps. Fait que c'est plate. Et il y a comme genre deux styles de jobs aussi. À part le Shunting Train, que je peux pas faire pour l'instant. Et il y a le Logistical Haul et le Freight Haul. Freight Haul, c'est transporter des trains avec. La marchandise à l'intérieur, puis ça, c'est de transporter des trains sans marchandise. On a un temps aussi. Et maintenant, ça va être important de suivre le temps parce qu'on a besoin d'argent. Parce qu'à chaque fois que tu utilises un train, à chaque fois que tu démarres le train, ça te coûte de l'argent. Les fees qu'il y a là, c'est les frais. Et rouler un train, ça coûte de l'argent. Et c'est ça. Si tu fais pas la maintenance toi-même, il va falloir que tu payes ici les frais. Fait que je vais. Lui, il a 11 000 piastres. Il y a moins de trains, il y a moins de wagons, ce qui est un peu. Ou peut-être c'est le même nombre de wagons. Lui, il rapporte bien plus. Fait que je vais prendre ça. Mais je vais pas l'activer tout de suite, ok? Je vais pas l'activer tout de suite. Je vais le mettre dans mon inventaire. Parce que quand tu l'actives tout de suite, ça déclenche le temps. Parce que c'est vraiment important d'avoir le bonus. Et si je regarde ça ici, Machine Factory in Town. So, Machine Factory in Town. C'est ici. Machine Factory Town. Fait que c'est pas si loin que ça. Je fais juste passer par là puis monter ici. Ici, ça monte. À part si ça a changé dans l'update de graphique. Avant, ça montait. Fait que va falloir que je check ça. Ça, c'est 260 tonnes quand même. C'est quand même assez pesant. C'est pas comme la dernière fois que j'avais fait 55 tonnes x 2, je pense. Là, c'est quand même assez pesant. J'espère que je vais être capable. Donc, je vais mettre ça dans mon inventaire. Vu que je l'ai pas activé, ça n'a pas déclenché de temps. Je vais aller chercher ma locomotive tout de suite. Ah oui, ça c'est un autre des updates vraiment trop hot. Oh! La grande locomotive! Ok, j'ai même pas... Ah non! Ah non, c'est ben trop hot. J'ai même pas besoin d'update finalement. J'ai même pas besoin d'extension parce qu'elle est là. Des fois, tes wagons sont... placé dans une certaine manière et ton train ici est placé dans une autre manière. Qu'est-ce qu'il faut que tu arrives? C'est des fois, t'as pas le choix de partir en sens inverse ou de faire un gros détour pour venir pour placer ton train dans la bonne direction. Mais là maintenant, t'as plus besoin parce que t'as cette belle patente ici présente. Et t'as une petite cabine qui fait marcher cette affaire-là. Boum! C'est vraiment hot. Là, t'arrêtes ça ici. Ah! Tu vas t'entendre un cling! Ça veut dire qu'il est engagé. Sinon, tu peux y aller manuellement. Avec cette affaire-là. Je pense que dans la vraie vie, ça se pousse en plus manuellement. Il t'emmène ça ici jusqu'à temps que ça cligne. Fait qu'on est encore avec notre petit Shunter Train.
C'est tellement chiant. Parce que c'est hot à démarrer en plus. T'as beaucoup de pitons là-dedans. Puis... Fait que, on va démarrer cette affaire-là. Y a pas grand-chose qui change dans la cabine, sauf ici. Bon, on active les breakers. Et on démarre la patente. Là, j'active les lumières. Lumière. Klaxon est rendu pareil. La fan, elle sert pas à grand chose. Ça sert juste à allumer la lumière ici. C'est juste ça que ça sert. Ça sert absolument à rien. Premièrement, on n'a plus la petite image qui nous permettait d'attacher les wagons, parce qu'à ce temps, on les attache manuellement. Et on a un autre levier ici, ce qui est le levier des freins des wagons. Fait qu'on a le frein de la machine ici, puis on a le frein des wagons. Fait que je pense que c'est les mêmes pitons. Puis ça aussi, ça active... Ah, attends. Ça, c'est MN. Après ça, je sais pas c'est quoi les pitons pour ça. On a un menu à cette heure, ce qu'on n'avait pas avant. C'est vraiment hot. Puis on a des options. Contrôle. Ouais, je peux aller voir Show Control, Show Sensitivity. Oh! Attends une minute. Ça. Contrôle. Show Control. Ok, bon. C'est encore en... c'est encore en construction. C'est peut-être pas... Est-ce que je peux... pas voir les contrôles, sérieux. C'est bien calme ça. Show control. Ah, c'est ça? Ok, ok. C'est ça les contrôles. Fait que... Quand on est en mouvement, train driving, ok. Reverser, horn, sand, injector, independent brake. Ah, je pense que c'est ça. Train brake et independent brake. Bon. K et L. K et L, c'est pour les brakes indépendants. Fait que. On donne du gaz. On donne aussi la transmission vers l'avant. Là, on a les freins ici. Oups, ok, non. Ça, c'est la pression des freins. Puis apparemment, on est sur le frein. Fait que je vais essayer d'enlever les freins finalement. On peut voir aussi la pression qui monte. Il faut attendre jusqu'à temps qu'on soit rendu dans le fond. Là, ça va commencer à avancer. Mais là, c'est parce que j'ai pas donné assez de gaz. Il faut vraiment attendre que la pression monte. Donc ça, c'est une affaire à garder en considération. Bon. Là, on a juste à faire... J'ai remarqué que quand on fait F, ça nous téléporte plus directement dans le train. Ça veut plus nous... Ah oui, ok, non, j'ai rien dit. Faut viser la fenêtre, je pense. Ok. J'aime ça quand ça me contredit. Mais là, par contre, il faut que j'aille voir quelque chose, parce que... Il faut que je sache dans quelle direction m'en aller. Ok, on a 1, 2, 3, 4, 5 wagons. Mais... ici, le schéma qu'il y a là, c'est représentatif de qu'est-ce que les wagons ont l'air. Fait qu'on peut vraiment aller voir. Parce qu'on peut pas savoir le numéro des wagons avant qu'on accepte le travail. Fait qu'il faut aller voir ici. Fait qu'ici, j'ai des wagons qui ressemblent déjà. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ici, il y en a juste 4. 1, 2, 3, 4. Fait que c'est pas eux autres. Je vais vendre le punch tout de suite. Les wagons que j'ai besoin sont juste en arrière de ceux-là que je suis en train de compter. Eh, bah, boy. Sinon, il y en a ici 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a un peu plus que 5. Ça se peut que les wagons soient mélangés. Ah, man. Ça, c'est vraiment chiasse. Parce que. Moi, j'ai besoin de partir par là, si je me trompe pas. Parce qu'il faut que je fasse 3. Non. Faut que je fasse... je dois encore mélanger les contrôles. Fasse 1. Ok, je peux choisir avec 1. 1, 2, 3, 4. Ok, j'ai plus besoin de faire tab. Parce qu'avant, il fallait que tu tiennes tab. Mais plus maintenant, apparemment. Fait que... Bon. Je suis ici à Steel Mill. Fait que faut que j'aille par là-bas. Fait que faut que je décolle par là-bas. Fait que... Qu'est-ce qui m'aiderait? Parce que ça l'aide d'être vraiment eux autres, mes wagons. Mais j'en ai juste 5. 1, 2... 4, 5. Qu'est-ce qui m'aiderait? Ce serait que les 5 premiers soient les wagons que j'ai besoin. Enfin, malheureusement, on va savoir juste. Mais que j'accepte la mission.
Et qu'est-ce qui arrive? Attends une minute, je suis perdu un peu. Bon, je suis ici. Je m'en vais comme ça, pour reculer comme ça, pour me mettre. Non, ok, je vais être dans la mauvaise direction. Il va falloir que je tourne le train pour venir ici de reculons, pour aller de l'avant, pour reculer, attacher mes wagons, pour partir à la. C'est un petit peu fait. C'est un petit peu mélangeant, mais. Ça va être correct. Là, j'ai oublié d'arrêter le train avant d'aller voir mes wagons. Je suis en train de gaspiller de l'essence pour absolument rien. On va y aller dans l'autre sens. Ok? Je sais pas si qu'est-ce que j'ai dit ça fait du sens, mais moi je me comprends. Parce que tu peux y aller aussi dans l'autre sens. Tu peux. Bon, parfait. Tu peux. Ça marche pareil d'y aller en sens inverse. Ça, c'est l'affaire, c'est que le radiateur est de ce sens-là et ça refroidit moins le moteur quand tu vas de l'autre sens. C'est pour ça. On met ça de reculons. On enlève les freins. Et on donne du gaz. Ah oui, faut attendre que la pression des brakes monte. Là, ça commence à. Je peux donner un peu plus de gaz. Et voilà, on s'en va aller chercher nos wagons. Je pense que c'est eux autres, ok, qui sont là-bas. Mais vu qu'il y en a plus que 5, c'est sûr qu'il va falloir en enlever. Fait que 2, ça c'est notre nouvelle manette pour contrôler les panneaux. On va voir ça tout de suite. On va ralentir le gaz. On va donner un peu de frein. Aussi, oui, aussi t'as un speed limit à cette heure. Ils disent le. Oh my god. Bon, on va laisser ça là pour l'instant. À cette heure, ils disent le speed limit, ok? Ils disent la vitesse que tu dois parcourir, mais je comprends pas vraiment beaucoup cette affaire-là. Ça, j'imagine que c'est à cause qu'il y a une intersection en Y. Je peux comprendre. Ça, je pense que c'est l'élévation, ok? T'as des panneaux comme ça. Je pense que ça veut dire que c'est à niveau. Et t'as d'autres panneaux qu'on va voir maintenant plus tard. C'est pour dire que c'est en pente ascendante ou en pente descendante. 5, je pense que c'est le speed limit. Je pense que tu fais x10, fait que ça fait 50. Fait que tu peux rouler à 50 ou à 80 km à l'heure, je sais pas trop. Le décor là est vraiment rendu waouh. Avant je disais que c'était un peu à chier le décor, mais maintenant là, ça s'améliore. Ça s'améliore vraiment beaucoup. Et c'est sûr qu'il y a encore des petits bugs, il est pas tout à fait au point le jeu. Des fois je viens à bugger comme on a vu là, genre 15 secondes. Et je sais pas pourquoi ça fait ça avant, ça faisait pas ça avant. Mais sûrement que ça va être répliqué encore comme ça. Pourtant j'étais à 60 d'FPS et. Je vais donner du frein. J'imagine mon FPS pourrait aller plus haut, mais il est barré à 60. Je sais pas si c'est à cause d'un anti. Comment il appelle ça? Un anti. Attends, allez voir. Graphique. Anisotrophique. Filtering. Non, c'est ça? Ben non, c'est à cause d'un. V-Sync. Ouais, c'est à cause du V-Sync. Si j'étais à 60 FPS. Ben, je vais regarder ça de même, mais je pense que c'est correct. Ben non, je peux essayer. Juste pour le fun. Graphique. On enlève le V-Sync. Ouais, je suis encore à 60. Je suis encore à 60 FPS, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas. Et voilà. Fait qu'on va garder ça de même. Ça, c'est CFF932. Fait qu'on vient ici, on accepte. Oh, balabim. Fait que nos wagons. Ok. CFFF 485. Ah non, c'est pas eux autres. Tourner. CFFF 932. Non, merde. 931. 290. 290. Non. Ah putain, t'es pas sérieux. C'est pas les bons wagons. 394. Fuck! C'est lequel?
CFF388, non? C'est les autres. Ah, man. C'est les autres sites. CFF185 à 380. Ah, je me suis trompé. Ah, oui, ok, je me suis trompé. Fuck, ok. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Attends. Ah non. J'ai échappé. J'ai échappé à ma manette, hein, où? Ah non, c'est pas le temps d'échapper sa manette, là. T'es sérieux? Ah, ok, là, fuck. Ok. C'est elle, non? C'est elle. Fait que si je veux ici... Le temps que je perds! Putain! Tu vas vers la gauche? Toi, tu vas à droite? Ok. Ok, bon ben, on va avancer. On enlève les freins. Essayer de faire rapide. C'est trop chien, c'est trop chien. Wow, wow, wow. Oh, on peut peser ces boutons de même, ok. Parce qu'il y a plusieurs modes, ok. Il y a mode switch que je fais tout à l'heure, il y a mode re-rail, ce qui veut dire, j'imagine, de remettre ton. Ton train sur, ou tes wagons sur la rail si t'as déraillé. Clear, ça veut dire d'effacer un véhicule. Et crew vehicle, je sais pas c'est quoi, puis c'est barré de toute façon. Là, je vais donner du frein. Ouch, peut-être un petit peu trop fort, mais c'est pas grave. On arrive ici. Je peux me pencher avec X, mais ça sert pas grand chose. Ça, elle est ici. Bon. Ça. On prend ça. Puis on amène ça. Ah non. Oui, ok, ça a marché. C'est attaché là. Je voyais la patente rouge, mais non, c'est ici. Et il faut, avec une roulette de la souris, il faut attacher ça. Et on prend notre tuyau des freins. Et on l'attache à ici. Et on ouvre les valves. Boum, bada, bim, bim. On est en business. Retour vers l'avant. On enlève les freins, bien sûr. Là, on peut attendre. On peut voir aussi notre pression qui monte. Là, je sais pas si ce frein-là est enclenché ou pas. Je pense que non, parce que sinon, on n'avancerait pas. C'est vrai qu'on pèse quand même 290 tonnes. C'est quand même assez pesant, non? Voilà, nos trains sont attachés. Nos wagons sont attachés. C'est vraiment trop hâte. On est parti, mon kiki. Bon, fait que qu'est-ce que je peux faire? On avait la map ici. Qu'est-ce que je peux faire? C'est comme d'habitude. Mettre ça ici. Là, on va s'en aller vers la gauche. La première intersection. Il va falloir que je regarde ça. Pourquoi que 2 s'est rendu. Ok. Non. Je veux ça ici. Ça. Ici. Ça. Ici. Ok, non, 2. Bon. on va set les switch. Ah, je pense qu'il est déjà à gauche. Bon, ok, parfait. Et on est parti. Bon, ok, je pense qu'on peut aller plus vite que ce que j'allais dans mes anciennes vidéos. On a maintenant speed limit. Je sais pas si c'est vraiment ça. 12. Je vais pas aller à 12 km/h quand même. Est en train de perdre la vitesse, fait que je vais donner du gaz. Il
Ici, on voit qu'il y a une pente. Ça, le bleu à droite et le rouge à gauche, je pense que ça veut dire que c'est une pente ascendante. Je sais pas si je vais être capable de faire ça en une demi-heure. Oh non! Oh non! Oh non! Je me suis trompé! C'est là, fallait gel. Et non, ici. Là, il faudrait que je fasse tout ça, ça. Ah non! Je suis pas parti dans mon bord. Donc là, c'est soit que je recule. On va mettre les freins des wagons. Et on va freiner. Ah, tabarnak, c'est trop calme. C'est trop con. Bon. Il faut revenir. Ok, je pense qu'on va oublier le bonus. Sérieusement. Je pense qu'on va ralentir un petit peu parce que ouh, ça va vite. On arrive, on arrive. Fait qu'on active les freins un petit peu. Ah! On active les freins des wagons. On active les freins aussi de la locomotive. C'est un peu plus long à braquer qu'avant. Freine, freine, freine. Ok, toi t'es dans le fond. Je donne du gaz par en avant, paix. Freine, 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 freine. Et voilà, on en repart dans l'autre sens. Ah oh, non, j'ai trop foiré. Sérieusement, faut que je tourne à droite et la prochaine intersection à gauche. Là, faut laisser le temps de momentum de monter. Prise 2. Prise 2. Bon. On est rendu à... Oh boy, on est rendu à 40 km/h. On va ralentir sur le piton. On va mettre les freins un petit peu... Une couple de pourcent pour les... Oh snap, faut breaker, faut breaker. Ah! Les freins! On va déraper. C'est parce que je pense que je prends encore dans la bonne direction. C'est ma faute, c'est parce que c'est moi, j'étais pas... J'ai encore passé tout droit. On va vraiment, mais vraiment laisser faire le bonus parce que... Ça c'est juste une vidéo comme ça, je vais essayer de... Ah, parce que j'aimerais trop ça avoir la grosse locomotive à vapeur et à diesel aussi. Va falloir que je fasse des missions, j'aurai pas le choix. Et je pense que ça va me coûter plus cher de maintenance. Que ça va m'avoir apporté d'argent, je pense. J'ai même pas fait un kilomètre, puis je me suis trompé genre deux fois. C'est vraiment pas bon. Bon. Là, ça va pas. Comment ça marche, ça? C'est là, je suis pas capable de voir comment que. Je suis pas sûr si c'est par là que j'aurais dû aller. Peut-être que je peux. Ah, my god. Ça passe-tu par là? Si je fais ça ici, là. Ça tourne à gauche, à droite.
Ok, ça passe. Ok, on est correct. Ça fait vraiment bizarre qu'il y a des routes. Et les autres sont parqués directement sur la route, c'est bon. C'est le fun de s'asseoir. On peut voir mieux la carte. Fait que là, on va s'en aller comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici, une autre ville. Et on va s'assurer d'aller par la droite, à droite, à gauche. Factory and Town, je pense c'est ici. Mais je sais pas s'il va falloir aller à gauche ici ou à droite là. Je vais juste m'assurer. Attends, je vais faire notre travail, c'est numéro 4. Machine Factory in Town. La track, il faut aller parquer à la track C4I. Ok, C4I. Fait que C4I, ça en fait la station map. On fait machine. Machine, 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 machine. C'est par en bas. Je l'ai vu tantôt en plus. Ah, ok. Ok, il y a plusieurs. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs tracks à la machine. So, c'est quoi qu'on avait dit déjà? Numéro 4. C4I. Ok, bon. Voilà la track C4I. Fait que ça, c'est Machine Factory B. Ouais, ok, ça, on est correct. Ici. Wow. C. Fait que voilà Machine Factory C. Oups. C4I. Fait que ça va être. Si on vient vers le sud, je pense que oui, on va s'en aller vers le sud. Donc il faudrait aller dans la traque la plus à droite. Fait que c'est facile. Mais moi je me demande, c'est où C? Machine Factory Overview. Ah, ok. Oh boy. Va falloir. Ok. Par le sud. Va falloir que je tourne à droite. J'aille dans le C. Puis dans la section C. Ici, il va falloir que j'aille à droite complètement. Ça va être ça qui va arriver. Là, je regarde ça ici. Il va falloir que j'aille à droite. Fait que là, je me prépare ça ici. Là, c'est assez facile parce qu'on a juste 5 wagons, mais quand tu es rendu avec 20 wagons, c'est pas pareil. Le momentum n'est pas pareil, pas en tout. Fait que je pense que c'est déjà passé vers la droite. C'est ça qu'on veut. Si, seigneur. Ok, on est en business. De rattraper notre temps perdu, tu sais. On arrive! On n'arrive pas à destination, mais on arrive à une ville. Intersection, ok. Une ville ici, c'est placé vers la droite, je pense. Et là, c'est placé vers la gauche. Fait que, on va essayer de faire ça pour que ce soit tout vers la droite. Parce que c'est vers la droite qu'on s'en va. On est ici. On roule un peu vite peut-être pour tourner. Mettre un peu les freins des wagons. Ok, lâche. Je veux pas aller trop vite dans des virages. Presque à 40 km à l'heure. On n'est pas pire, je pense. On n'est pas pire. On
on est rendu ici. Je pense que ça monte à quelque part ici. Là, c'est là que ça sent rien spécial parce que il y a comme deux tracks. Hein, on voit ici deux tracks. Et ça a l'air d'être allé par la droite, ça a l'air d'aller par la gauche aussi, je sais pas trop. Mais ça a l'air d'être surtout être à droite. De toute façon, quand je faisais la carte ici, on voit que je pense que ça c'est pour s'en aller vers la gauche, comme l'autre track, puis ça c'est pour s'en aller vers la droite. Fait que, je pense bien, ok, je pense bien. Bon, en tout cas, on va voir en dessous là. Regardez ça ici. Prochaine intersection, ça va être à gauche. Là, on ralentit. Ah, c'est ça, on est dans la pente. C'est le temps là, d'aller du gaz. Pour sentir le train forcé un peu. On est stable. Ah, j'ai même pas vu la pancarte, ça aurait pu me dire. Vers la gauche, hein, on avait dit. Vers la gauche? Oui, ok. Là, il est placé ici. On va ralentir sur le piton. Parce que ça a l'air dangereux. Oh là 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 là. Oh shit. Dérailler de train ici, ça serait vraiment. La vue est malade. Je pense que c'est là-bas qu'on s'en va. Machine Factory in town. Fait qu'on voit que le pont était haut un peu là-bas. Fait que je pense que ça va monter. Donne un peu de gaz. Pas ça que je veux. Et ouais, on voit ici. On est en pente. Fait qu'on va donner un peu de gaz. Faut pas perdre le momentum. Oh! C'est quoi ça? On est en train de le surchauffer. Le moteur est force. Oh! C'est pas bon ça. C'est pas bon de surchauffer maintenant. C'est vraiment pas bon. Ah ouais, s'il te plaît, là. Arrête de niaiser. L'aiguille est encore... ça, ça sert à rien. C'est pas une fan pour... C'est pas une fan pour calmer la chaleur du moteur. Pas en tout. Fait que là, on s'en va vers la droite. Si je ne m'abuse, oui. Bon. Aïe, hey, aïe, regarde ça ici, la pente. Ça descend-tu, toi, à ton goût? Regarde le pont ici, c'est malade. Waouh, j'en reviens même pas. Ça, là, c'est des pièges à con, ça, pour dérailler. Ah, man. J'en reviens pas, l'aiguille. Elle arrête pas. Ça arrête pas de monter. Hey, le moteur est dans le tapis. Puis ça continue à monter en plus. Je comprends même pas. Ça va-tu finir de monter ou. Ok, je pense qu'on peut ralentir. Prendre ça. Switch par là. Je pense que c'était par la droite, non? Attends une minute, ok. Je pense que il serait sage d'aller voir si oui exactement. Section C. Oh boy, c'est mélangé, c'est comme ça se peut pas. Ok, 3. Ah, C. 4. 4. C4I, je pense que c'est ici. C'est ici, faut que je. Si je prends mon job. 4. C4I, ouais, c'est ça. Ok, bon, nice. Gal trailer, il est vraiment malade. Waouh. Toutes des Lada. C'est un pays communiste. Je pense qu'on est en Russie. Bon, fait qu'on veut aller ici. Fait qu'on va suivre. On va suivre cette track-là. Fait qu'on va suivre vers la droite, oui. Ici. Vers la droite. Ici vers la droite.
Ici vers la gauche. Non? Ben, tous les chemins mènent à Rome. De toute façon. Là, on devrait être en mesure de s'en aller directement dans notre stationnement. Et après ça, on va aller valider la job et on va espérer avoir le bonus. Ça se peut qu'on l'ait pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave tant qu'on fait un peu d'argent. Bon, fait ici on avait dit vers la gauche. J'étais un peu vite. On va ralentir le piton. Là, ici, c'est la droite, à droite. Non, je me suis trompé. Ah, je me suis trompé. Ah non, c'est ça. Ok, non, si. Donne un peu de break avec les freins en arrière. Donne un peu de frein ici. Juste être sûr que tous les wagons sont en track. J'ai pas envie que ça me dise non, il faut stationner mieux que ça. Patati, patata. Bon, on met les freins. On met les freins de ça. Je pense qu'on peut. Arrêter la locomotive. Ok. Arrêter les lumières. Et on peut aller débrancher aussi nos patentes. Boum. Et ça. Ça. Là, on peut aller rapidement. J'oublie ma carte. On peut aller rapidement à la petite maison. Je sais même pas où ce qu'elle est en plus. La petite maison. Ah, elle est là. Là, on arrive ici. On fait 4. Non. 5. Oui. On fait valider. Boum. J'ai-tu fait le temps? Non. J'ai pas eu le... 46 minutes. T'imagines? Ça m'a donné 11 000. Bon, ok. J'ai combien d'argent maintenant? J'ai 11 600, quoi. Il est où mon wallet? Oh! Il est où mon portefeuille? J'ai perdu mon portefeuille? Ah non, j'ai perdu mon portefeuille, comment ça? Attends, la maison des objets perdus? Ça, non? Ça, c'est mes licences? Une feuille blanche? Il n'y a pas mon portefeuille, tu niaises! J'ai perdu mon portefeuille. Oh, je sais pas que ça fait quand tu perds ton portefeuille. J'ai aucune idée. Mais mon assassin là, ok. C'était Deer Valley version 2.0. Et j'espère que ça vous a plu. Et il va en avoir d'autres parce qu'il va falloir que je conduise le train diesel. Le gros est vraiment trop hot. Puis il y a aussi la locomotive à vapeur que je voulais faire un tutoriel. Mais là, apparemment, ça va être un petit peu plus longtemps que ça. On va peut-être faire d'autres vidéos avec le Shunter Train. Juste pour ramasser de l'argent, puis après ça, on va être en business. Est-ce que j'ai des frais? Oh, shit! Tabarnak, 10 000 piastres. Je suis dans la merde. Ok, sinon, mais... Hey, la toilette. On va vous laisser là-dessus, ok? On dirait My Summer Car. Je vais vous laisser là-dessus, puis... On se reverra à la prochaine fois. Ciao, bye.